moi, ce sera pas original, mais voilà. Bon, merci à tout le monde qui la dépasse à cette mesure. Et dans un deuxième temps, si les scores qu'on est en train de dessiner confirment, on aura tout le temps de remercier les électeurs. Mais ça t'y connaît, on est en out de satisfaction personnelle, mais nous l'est quand même face à ORN. Nous l'est quand même face à un projet qui ne ressemble pas l'histoire que nous a connue La Réunion, qui ne ressemble pas ce que nous porte en valeur à La Réunion. Donc oui, on a toujours une satisfaction quand on est devant, mais il faut que nous interrogeons nous sur quelle société nous veut plus demain, pas seulement ici. Combien de parents n'est pas bonne maman en France que l'est inquiet de que ça va devenir la société française, dans quel mood il s'est façonné. Et puis dire aussi, parce qu'il faut avoir le courage et ses convictions, Nena, Madame la maire de Saint-Denis, qui s'est positionnée clairement en soutenant ma candidature, donc nous remercions Madame Barège, Monsieur Maurice Gironcel, qui a fait le job aussi, que les forces progressistes, mais toute cette la tuazade n'a pas causé devant la menace RN. Et ben, franchement, nous interroge à nous sur notre conviction de progressiste et sur les valeurs réunionnaises que notre peut porter. Il y en a des silences comme ça, que les lourds de sens, et c'est que quelques silences des candidats du premier tour, que la part arrive au deuxième tour, notre silence est vraiment accablant et il envoie un message à ces lourds.